Salut les amis, comment ça va? En tout cas, je vous souhaite bonne fête. Regardons Kamen Sama. Elle joue avec Raph Nader. Et maman Tina Pale. Elle a gagné Award de DJ Arafat là. Elle parle. On ne sait pas à qui elle s'adresse vraiment, mais suivant la maman Tina, c'est une comédienne. Oh. C'est qu'elle suit. Suivant là seulement. C'est notre maman, on fait comment? Hey, Raphna s'est mis à coiffer des une grande entrepreneuse. Raphna a coiffé jusqu'à elle est fatiguée, elle dort. Sa maman est très fatiguée. Sa maman joue avec elle, vous avez vu, non? Allez, c'est Raphna dormir tranquillement quand même. C'est pas bien ce que je fais là. Parce que Raphna la laisse pas dormir, donc elle aussi à son tour là, elle fait ça à Raphna. Maintenant, Kamen, maman Tina va parler. Je pense qu'elle s'adresse un peu à toi aussi. À cause ça, voilà. Allô, Kamen, bonsoir, elle s'en fout. Bonsoir, oh, maman Tina. Bonne fête en même temps. Ça bonne va, fête bonsoir. À tous. Je fais cette vidéo tout juste pour vous dire que d'abord, vous souhaitez une bonne semaine, une bonne fin de semaine, parce que dans quelques jours, on sera Noël. Noël qui est vraiment une fête de joie et tout. Noël qui annonce la naissance du Sauveur, le Sauveur qui n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Ok, chose dite, chose faite, voilà le trophée du Daichi. African Talent, talent africain. La Chine. Voilà, je vous présente le trophée de votre maître, de votre papa. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est le coupé décalé qui gagne. Et c'est pour dire, il avait dit, je vais régner 100 ans. 100 ans de protection, 100 ans de talent. Ça fait 2 ans maintenant, 2 ans et demi que Arafat est parti. Mais son art est là. Son art est là, rien n'est parti. Voilà son trophée. Il n'y a pas l'homme, le king du coupé décalé. Maintenant, la chose va se passer comme ça. Toute personne qui a quelque chose à dédier à DJ Arafat n'a qu'à appeler la madre et on partage la joie. La soirée a eu lieu le dimanche. Le temps que les photos de la cérémonie et tout, on me les envoie. Moi, je vous présente déjà le trophée. Voilà. De DJ Arafat. Il vivra dans nos cœurs, dans nos mémoires, dans nos oreilles, dans nos youkoulis. Bon, c'est embêté, je sais dire, in our ears. Voilà. Arafat, ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien faire contre la volonté du Saint-Esprit. Il a dit, on ne peut rien faire contre la volonté du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit, en fait, il est Dieu. Et quand Dieu décide, il y a des gens, ils meurent, puis on les oublie, hein, on ne prononce plus leur nom. Mais lui, ça continue. Et c'est quand quelqu'un décède qu'on lui rend hommage encore plus. Parce que quand il était vivant, il savait le faire, il savait faire sa pub. Le soutien de sa maman était par téléphone, était par télépathie. Et là, voilà le trophée. Et je pense que ce n'est pas le dernier, ça continuera pendant des années. Je tiens à dire merci à tous ceux qui ont aimé Arafat. Merci à ceux qui l'ont combattu encore parce que vous l'avez rendu encore plus fort. Il y a certains qui se sont mis dans des télés pour dire que Arafat n'était pas leur patron, Arafat n'était rien pour eux. Mais ce sont eux qui sont en train de s'apprêter à faire des soirées au nom d'Arafat. Quand on n'aime pas quelqu'un, mais qu'on a été jaloux de quelqu'un pendant des années,
On ne se lève pas pour faire une affiche pour dire que venez avec le nom de la personne. Les gars, ne partez même pas à cette soirée. C'est un Judas. Je ne vais même pas dire son nom parce qu'il ne vaut pas la peine. Son nom là, le nom, excusez-moi, le nom de cette personne là, ça doit se retrouver, vous savez où? Est-ce que vous savez où ça doit se retrouver? À l'enfer. C'est comment ça est? Mettez les j'aime pour la vidéo, mettez les j'aime en ensemble.